ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Do you know Michael Snow? Par Daniel Coe. Avec Chantal Ackerman, Hervé Delilia, Claudine Ezikman, Guy Fiman, Dominique Noguez et Michael Snow. Voix, Béatrice Agar, Éric Elguerabli. Texte descriptif des films, Christine Casterberg. Groupe de réalisation, Yann Parentoen, Jean-Pierre Hubert. Viviane Vandenbroek, Marie-Ange Garando. Peinture, photographie, sculpture, The Walking Woman, Atlantic, Tempête de neige, autorisation, from de la région centrale, A Casing Shelved. Musique, Musics for Piano, Whistling and Tape Recorder. CCMC, Artist Jazz Band, Toronto. Film, New York Eye and Ear Control, Wavelength, Back and Forth, 1 second in Montreal, Standard Time, La Région Centrale, Ramos Nephew, Tabletop Dolly. Do you know Snow? Michael Snow. Né en 1929 à Toronto, Canada. Peintre. Sculpteur. Photographe. Musicien. Cinéaste. Control, 1964, film noir et blanc, 34 minutes, 16 mm. La femme qui marche.
Lacoslo est fasciné par une figure visuelle qui revient dans toute son œuvre, c'est celle de la femme qui marche, The Walking Woman. Dominique Noguez. Et c'est une sorte d'emblème qu'il interprète plastiquement en deux dimensions ou en trois dimensions, en dessin, en sculpture. J'avais fait des collages avec des formes coupées avec un couteau qu'on emploie pour couper le carton et tout ça. Michael Snow. J'ai arrivé à l'idée d'essayer de faire quelque chose avec seulement la silhouette, sans background, seulement le corps, hein? Seulement le corps. J'ai fait deux ou trois, j'ai fait trois comme ça. J'ai remarqué que quand on a quelque chose comme ça, une silhouette, on peut mettre n'importe quoi sur ça. Ça peut être simplement une couleur et c'est comme un tableau. Et aussi, c'est comme en anglais un stencil. On peut faire des copies avec ça. On peut tracer autour de cette forme. Et j'ai décidé d'utiliser seulement un de ces espèces de dessins coupés que j'ai fait et de continuer de faire des variations sur celui-là. Après que j'ai commencé de travailler avec cette silhouette, c'est devenu clair pour moi qu'on peut mettre cette silhouette dans toutes sortes d'environnements. Et pas seulement dans une galerie de l'art. Et c'était une idée très, très forte pour moi. Bande-son, Albert Ayala, saxophone ténor, Roswell Rudd, trombone, Don Cherry, trompette, John Chikai, saxophone alto, Sonny Murray, percussion, Gary Peacock, contrebasse. Snow a commencé à s'occuper de cinéma en 1956 d'une façon qui est tout à fait conforme à sa vocation de plasticien, c'est-à-dire en faisant du dessin d'animation, en travaillant dans une grande équipe d'animation, celle de George Dunning, celui qui a fait ce merveilleux film avec la voix des Beatles qui s'appelle The Yellow Submarine. Et puis, il a fait ensuite son premier film personnel qui s'appelle De A à Z, et c'est en 1964 qu'il a fait peut-être son premier film important qui s'appelle New York Eye and Ear Control, ce qu'on pourrait traduire par contrôle oculaire et auditif de New York. Alors ce film, c'est un film en noir et blanc. Ce qui en fait l'unité, c'est cette femme qui marche et ses représentations. Ces représentations sont incorporées par Michael Snow dans différents contextes,
dans des paysages très divers et dans toutes sortes de plans. Mais alors je crois que ce qui fait tout de même l'intérêt aussi de ce film, c'est la bande-son. Quand je suis arrivé à New York, j'ai rencontré Roswell Rudd, c'était un voisin, et j'ai joué avec lui un peu, et avec lui j'ai rencontré des autres musiciens dans cet niveau, type de musique, et j'avais un atelier et un piano. Et c'était très difficile pour eux de jouer. Il n'y a pas de travail. J'ai dit que vous pouvez jouer quand vous voulez chez moi. Ça me plaisait parce que j'aime beaucoup la musique. Ça m'intéresse. C'était un peu mystérieux aussi pour moi, qu'est-ce qu'il faisait. Et après ça, beaucoup de musiciens ont joué chez moi pour faire des répétitions, seulement pour jouer. Archie Shepp, Roswell Rudd, John Cheekai, Paul Bley, Carla Bley, Milford Graves. Les premières répétitions de Jazz Composers Orchestra étaient là aussi. Et j'ai entendu beaucoup de musique incroyable. J'ai entendu pour la première fois Albert Ayler j'ai trouvé que c'était un musicien incroyable. Et j'ai choisi le groupe pour l'enregistrement et j'ai dit simplement que j'ai besoin d'environ de 30 minutes de musique sans solo si c'est possible. Assez chargé. Et c'est ça, ils ont joué. Thank you.
c'était un peu de New York. C'est, il y a des choses dans la campagne, c'était le bord de la mer. Il y a des choses à New York aussi. L'image et le son est très très différent. C'est comme la musique est expressionniste et très dynamique et l'image est classique, mesurée, calme. On a ces deux sentiments simultanés. Wavelengths, 1966-1967, film couleur, 45 minutes, 16 mm. En 1967, Dominique Noguez, il termine ce qui a été son premier très grand film, enfin le film qu'il a fait connaître partout. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, puisque c'est un film qui a eu le grand prix du Festival du film expérimental de Knock en 67. C'est Wavelengths, longueur d'onde. Alors ça marque vraiment un tournant. On peut dire que, à l'exception des œuvres lettristes en France au début des années 50, l'essentiel du cinéma expérimental après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe aux États-Unis. Et surtout à partir de 1960, avec l'organisation de la Filmmakers Cooperative par Jonas Mekas, une sorte d'organisation parallèle du cinéma qui va regrouper beaucoup d'artistes, beaucoup de cinéastes qui jusque-là travaillaient en solitaire et travaillaient un peu dans tous les sens. Il y a, on dirait, dans ces œuvres des années 60, une constante, c'est que ce sont des œuvres où le cinéaste, en toute liberté, c'est-à-dire en transgressant toutes sortes de tabous techniques ou esthétiques ou moraux, enfin, ou sexuels, le cinéaste veut en dire, veut en montrer le plus possible. Il y a une sorte de surabondance de signifier. Il y a une recherche de la surimpression, par exemple, assez constant dans beaucoup de films. Et puis alors, tout d'un coup, en 1967, il y a cette œuvre de Michael Snow, Wavelengths, qui est une œuvre, au contraire, extrêmement dépouillée, qui n'a au fond comme antécédent que certains films de Warhol. Warhol, le premier, va pouvoir se permettre de filmer comme ça en durée réelle pendant de longues heures. C'est une façon de redonner au fond la durée réelle et de redonner le temps que le cinéma narratif pendant 50 ans ou 60 ans avait passé son temps à escamoter, à réduire, à comprimer par toutes sortes de jeux d'ellipses. Warhol, le premier, se permet de redonner le temps
de laisser courir la caméra. Et c'est dans cette ligne-là que Michael Snow va œuvrer. Mais alors il le fait d'une façon peut-être plus achevée, avec un projet esthétique plus médité, plus organisé peut-être que Warhol. Et c'est pourquoi Wavelength, c'est une œuvre qui va mettre Michael Snow sur le même pied que les plus grands. De faire ce film a été un événement très sérieux pour moi parce que j'ai concentré toutes sortes de choses que j'ai appris dans les années avant ça. Et j'ai essayé de faire travailler ensemble des choses qui étaient séparées dans mes œuvres avant ça. Et j'ai essayé de travailler avec le temps. Et j'ai commencé de ressentir que c'était un niveau de l'art très, très intéressant de former du temps. C'est évident qu'on ne peut pas changer le temps, mais on peut... De faire les films, c'est de former ou de donner l'illusion de former le temps et la lumière. Et pour ça, on travaille avec la durée. Ça peut être un instant et ça peut être très, très, très long. Wavelength, longueur d'onde, c'est un film apparemment tout simple, qui dure 45 minutes. Et dans les termes du cinéma traditionnel, c'est un film composé d'un seul plan. Un immense plan séquence de trois quarts d'heure. Seulement, du début à la fin, le champ se resserre, c'est-à-dire qu'on a affaire à un travelling optique avant, un zoom avant. Mais un zoom très lent, très imperceptible. On est dans un atelier avec quatre grandes fenêtres et on voit par les fenêtres le haut, on doit être au premier étage d'un immeuble, on voit le haut d'une rue, on voit le haut de camions qui passent. Au début, on a un plan d'ensemble et à la fin, on arrivera à un très gros plan sur un objet ou sur une portion d'espace qui était au début presque imperceptible et qui se situe entre les deux des fenêtres qu'on voit au début. D'une certaine façon, ce n'est que ça. C'est un zoom avant, dans un lieu quelconque, vraiment. C'est un atelier qui ne brille pas par son mobilier très pauvre. Enfin, il y a un bureau, il y a une chaise jaune, enfin, qui a une très jolie couleur. Il y a un téléphone sur le bureau. Et puis le reste, bon, il y a un plancher, il y a deux néons au plafond qu'on aperçoit. Porte une étagère, un rayonnage, et ils le déposent à gauche du champ. Puis ils s'en vont. Est-ce que le film n'est que cette aventure d'un zoom avant, en 45 minutes ? Non. Il y a tout de même quelques petits événements qui interviennent,
pendant les 45 minutes, et qui sont une sorte de souvenir du cinéma narratif, qui sont des amorces de narrativité. Et on a l'impression ici que Michael Snow cherche à montrer comment peut naître la fiction, comme ça, à partir d'une situation apparemment très neutre. Alors ces événements sont anodins, par exemple l'arrivée de l'armoire au début, ensuite on voit deux jeunes filles qui viennent près des fenêtres, s'installer à côté du bureau, et qui, elles doivent prendre du café, je ne sais plus. En tout cas, elles écoutent quelques minutes la radio, on entend une chanson des Beatles, puis elles s'en vont. Les deux autres événements sont un peu plus narratifs, un peu plus dramatiques. Tout d'un coup, on l'entend, sans rien voir de particulier, on entend un bruit de verre brisé, un bruit de coups, de choc, on ne sait pas très bien ce qui se passe, et puis tout d'un coup, on voit, entrant dans le champ, on voit un homme qui titube un peu et puis qui s'effondre, tombe par terre, et on a à peine le temps de le voir parce que le zoom, justement, a déjà resserré le champ, et en quelques minutes, même quelques secondes, le champ ne permet plus de voir le cadavre, car il s'agit sans doute d'un cadavre. Et puis des minutes passent, une des deux jeunes femmes qui était venue au début réapparaît et elle voit le corps, elle a l'air effrayée, elle va au téléphone et on entend qu'elle appelle quelqu'un en disant « Écoute, viens tout de suite, il y a quelqu'un qui est par terre. Non, non, je ne crois pas qu'il est sous, je crois qu'il est mort. » L'un des sujets ou l'une des choses que Wavelength tente d'être, c'est un équilibre entre différents ordres, diverses catégories d'événements et de protagonistes. L'image de la chaise jaune a autant de valeur dans son propre monde que la fille qui ferme la fenêtre. Les événements du film ne sont pas hiérarchiques, mais sont choisis à partir d'une sorte d'échelle de la mobilité qui va des événements, de la lumière pure, des différentes perceptions de la pièce, jusqu'aux images d'êtres humains en mouvement. L'inerte, le rayon de bibliothèque que l'on transporte, la vision du cadavre, la mort étant un passage de l'action à l'objet. Inertie. Il est clair que des événements ont lieu. Leur diversité implique ou prouve l'existence de liens qui sont plus ou moins des récits. Nous avons ainsi tendance à relier fortement en tant qu'événement humain la mort et l'appel téléphonique comme début de ce que nous appelons conventionnellement un récit. Le récit change de niveau entre le moment qui précède et celui qui suit la mort de l'homme. Et nous y lisons des rapports. Son entrée, on ne le voit pas, est-il derrière vous, est annoncée, précédée par le bruit de verre et des fluctuations de son autant que d'images couleurs. Le son est figuratif, réaliste, quand on voit cet homme entrer et mourir. Ceci va contre l'abstraction du glissando et de l'onde sinusoïdale. Quand il meurt, le son réaliste s'arrête et est alors vu. Les ondes de couleur-image, qui sont normalement perçues comme des événements lumineux, reliés à la croyance en ce qui se produit dans la pièce, sont alors perçues comme les ondulations des luttes vie-cœur, ou comme les vibrations de l'impact sur le plancher. C'est un sujet difficile à décrire. Le récit étant situé à différents niveaux de croyance et d'identification. Les ondes sont les registres visibles des forces invisibles. Michael Snow, Film Culture, automne 1967. Richard, the same. I just got here.
And there's a man lying on the floor, and I think he's dead. No, I don't know how he got in. And he doesn't look drunk, he looks dead. Well, what should I do? I'm frightened. No, I don't want to do that. Could you come over, please? All right, I'll wait downstairs. Filtre couvrant rouge. L'éclairage a produit des ombres. Plus de personnages. Adjonction de filtre clair. Le plan est plus rapproché. Il y a eu changement d'angle. On distingue davantage les photos sur le mur du fond de la pièce. Plan plus rapproché. Changement d'angle. Éclairage qui a baissé. Contraste noir-blanc opaque. Filtre coloré. Nuit extérieure progressive. Il arrive à ce film toutes sortes d'aventures. D'abord, on passe brusquement de l'image positive à l'image négative. Donc les couleurs sont inversées. Ou bien on a tout d'un coup une surexposition ou une sous-exposition. Ou bien encore on s'aperçoit qu'on est arrivé à la fin d'une bobine. Il y a les perforations qui signalent la fin d'une bobine ou les chiffres qui indiquent la fin d'une bobine. Il y a toutes sortes de bavures qui normalement dans le cinéma dominant seraient supprimées, qui sont laissés volontairement par Michael Snow et qui attirent notre attention sur la matérialité même du film et qui nous font voir qu'il s'agit bien d'un film et qui tire ce film peut-être du côté des arts plastiques. On a l'impression que Snow nous donne la durée réelle, qu'il nous donne 45 minutes continues, qui ont été filmées dans son atelier. Mais en réalité, étant donné que ce qu'on voit par les fenêtres, on le voit tantôt en plein jour et tantôt en pleine nuit, on s'aperçoit qu'il y a eu toutes sortes de trucages, que même si le résultat est un temps continu, ce résultat a été obtenu par du discontinu, par des morceaux de temps complètement différents. Brouillage, superposition de deux images décalées. La femme revient au téléphone, ressort pour aller voir le cadavre. Noir. Plan plus rapproché, frontal, plat, avec photo en point focal. Plan de fenêtre asymétrique, la photo est au centre. Plan plus éloigné du même décor. Superposition des mêmes plans décalés. Et alors, où arrive le zoom ? Il arrive sur une photo qui est épinglée entre deux des fenêtres qu'on voyait au début. Cette photo représente des vagues, simplement, en noir et blanc.
Et à la fin, voilà, l'écran est entièrement rempli par ces vagues immobiles. C'est une sorte de paradoxe aussi que les vagues, qui sont la mobilité même dans la réalité, soient données ici, dans ce film, comme une sorte de signe de l'immobile. Dans Wavelength, il y a, à part quelques passages en son synchrone, il y a un son synthétique dont la fréquence augmente constamment et qui donc paraît de plus en plus aigu du début à la fin du film. Michael Snow. Photographe. J'ai employé les photos dans des choses avec la femme qui marche, 65, 64. Mais quand j'ai arrêté d'employer cette image en 66 et 67, j'ai commencé avec... Atlantique et une autre chose qui s'appelle la tempête de neige. Atlantique. Impression photographique, métal étamé et bois. Tempête de neige, le 8 février 1967. 20 photographies en noir et blanc, émail sur mazonite et bois. Autorisation. 1969. Photographie polaroïde en noir et blanc. Ruban auto-adhésif, miroir et métal. C'est 5 photos que j'ai prises de moi-même dans un miroir. Et les photos sont mises sur le miroir. c'est pas si simple que ça. Mais les photos couvrent l'image qui était là de moi. Mais chaque photo contient... les autres qui étaient avant. Back and Forth, 1969, film couleur, 52 minutes, 16 mm. Dans Back and Forth, ce qui veut dire, ce qu'on peut traduire par en arrière et en avant, ou de gauche à droite, le mouvement qui est, en somme, le sujet même du film, c'est d'abord des panoramiques de gauche à droite, horizontaux, et ensuite des panoramiques de haut en bas et de bas en haut, des panoramiques verticaux. Et ces panoramiques, comme dans Wavelength, nous présentent, balayent une portion d'espace quelconque. Il s'agit d'une salle de classe dans une université américaine. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est une sorte de bâtiment préfabriqué. Donc ce qui est montré est quelque chose d'assez ingrat, mais avec ces panoramiques incessants et qui vont parfois très très vite, on a l'impression d'un mouvement pur en quelque sorte, et puis de jeux de lumière en mouvement. Ça, le côté plastique de ce film est d'ailleurs particulièrement remarquable à la fin, lorsque Snow superpose, enfin surimprime, les panoramiques horizontaux et les panoramiques verticaux. Et on a quelque chose qui est donc parfaitement, quasiment abstrait. Snow n'oublie jamais qu'il est plasticien, qu'il est d'abord plasticien, même s'il est plus que plasticien, même s'il est tout à la fois, même si, comme il l'a dit lui-même, il fait ses films en sculpteur ou en musicien. Extérieur rue, plan moyen, personnage, présence, absence. Intérieur, salle de cours vide.
apparition d'un laveur de carreaux derrière une vitre. Son, défilement du projecteur sonore incorporé. Couleur plus verdâtre. Changement de lumière. Plus rose. Deux personnages se lancent une balle. Voiture qui passe devant la porte ouverte. Même axe, léger changement d'angle, éclairage plus sombre. Multiplicité des personnages, tous de dos. Ralentissement du mouvement. Certains stores sont à demi baissés devant les fenêtres. Absence de personnages. Passage de gens devant la porte à l'extérieur. On revient au personnage assis de dos. Au son s'ajoute une voix d'homme. Retour au mouvement initial, au son et à l'image. Le cinéaste, il occupe une position particulière. Guy Fiman. En tant qu'il a cette démarche d'expérience, de production d'une expérience innovatrice, il est à lui-même son propre spectateur. Il est son premier spectateur. Et le travail d'élaboration au niveau fin, c'est-à-dire tout le surplus que produit l'expérience, entre ce que l'on pressent quand on fait l'expérience et qu'on est dans la même situation qu'un scientifique, au fond, qui pressent que dans telle et telle condition, tel phénomène va apparaître. Là, la démarche artistique est à certains égards comparable, puisqu'il pressent, le cinéaste, par exemple Snow, qu'en travaillant pour Back and Forth dans des mouvements d'aller-retour de panoramique, entre des limites bien déterminées, en faisant là-dessus une hypothèse formelle de vitesse, on commence à une vitesse moyenne, on descend à la vitesse lente et on remonte à la vitesse la plus rapide. Et dans cette extrême rapidité de la fin, le mouvement change et passe du mouvement latéral à un léger mouvement vertical qui s'amplifie. Or, toute une série de phénomènes visuels apparaissent, qui sont les produits réels de l'expérience. Ces produits de l'expérience, en fait, le cinéaste, par rapport à l'expérience brute que représente le ruban filmique enregistré, va procéder à un petit montage, plus ou moins élaboré, qui va permettre d'amplifier ce qui est le produit même de l'expérience, cette perception visuelle qui vient d'être produite. Dans le champ visuel, alors c'est une rupture qui est encore peut-être beaucoup plus importante que dans le champ sonore, c'est rendre visibles les processus, c'est tout d'un coup modifier complètement le statut du visuel. Hervé de Lilia. Il ne faut pas oublier que Michael Snow est un plasticien, avant tout un plasticien et un musicien, et que c'est avec son acquis de plasticien et de musicien qu'il arrive au cinéma. Ce qui fait que la plupart de ses films peuvent être conçus comme des sculptures sonores. Par exemple, Wavelength, il le considère comme une chanson, tandis que Back and Forth, il le considère comme une musique au rythme bien marqué. Gauche et droite n'ont pas la même profondeur de champ et cela produit un effet d'asymétrie alors que le mouvement est symétrique. À gauche, il y a véritablement profondeur de champ.
si bien que la porte se trouve dans le prolongement d'une diagonale qui prendrait la caméra pour origine, tandis que l'espace droit, représentant le mur troué de fenêtres, est plat et sans profondeur de champ. De l'accélération de la vitesse, il résulte que le côté droit est de plus en plus aplati, que le passage d'un personnage qui se glisse le long du mur vers l'intérieur, puis retourne vers l'extérieur, est à peine perçu. On conserve le même contexte, mais il y a un personnage assis de dos. La voiture devant la porte n'arrête pas de passer à cause de la vitesse du panoramique accéléré gauche-droite. Accélération qui produit un effet de trucage, une sorte de procédé d'estampe. On assiste à une perte de la définition d'un côté, mais de l'autre on commence à voir autre chose, tandis que la tonalité des couleurs change. Encore plus vite, on dirait un train qui passe, la vitesse fabrique une autre image. Dans One Second in Montreal, pas de son, une image extrêmement dépouillée là aussi, ce sont des diapositives qui ont été refilmées, diapositives représentant des parcs de Montréal sous la neige. Alors, c'est assez ingrat un parc en hiver, parce qu'il n'y a presque personne, donc c'est complètement désert, et en plus la neige, donc on a des images très pauvres, simplement des jeux de blanc et de noir, ou de gris. Et chacune de ces diapositives est filmée plus longuement que la précédente. Puis, arrivé au milieu du film, la durée d'exposition des diapositives diminue de nouveau. Donc, on a une structure avec un crescendo et un décrescendo. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, et qui le rapproche de toutes les autres tentatives de Snow, c'est qu'il essaie de mettre en valeur une dimension élémentaire, simple, du cinéma, en écartant les autres. Et ce que nous dit ce film-là, peut-être, c'est que le cinéma, c'est beaucoup de choses, mais si on essaie de le réduire à sa plus simple expression, eh bien, c'est une image et de la durée, une image qui dure. One Second in Montreal, 1969, noir et blanc, 26 minutes. Being cut. Audience involvement or reaction, which is essential, I think, in anything. And the other is being aware, physically, technically, as far as a distraction or a hindrance or a help or whatever. Il y a un petit film plus modeste qui s'appelle Standard Time, où cette fois, le mouvement de caméra qui constitue le sujet du film, en somme, c'est le panoramique circulaire. Bon. On tourne comme ça pendant un certain temps dans une chambre, c'est là, tout simplement l'appartement de Michael Snow et de sa femme Joyce Villand, qu'on aperçoit à certains moments. Ce sont des films qui ont toujours l'air d'être faits avec trois fois rien, d'être volontairement pauvres, mais qui nous donnent véritablement un plaisir esthétique, simplement en insistant sur une des dimensions simples, grandes, importantes du cinéma. Standard Time, 1967, 16 mm couleur, 8 minutes. Standard Time est constitué de panoramiques circulaires et horizontaux afin de pouvoir capter l'espace qu'il montre, une chambre, des gens dans cette chambre, mais sans s'approprier ce décor. D'ailleurs, il avait trouvé un autre titre à Standard Time qui est 4321012234 pour montrer que dans le film, on arrive au point zéro de l'appropriation du paysage. Even though I see people,
back to the audience, of whether the audience is complete. There's something working when things are clicking, going. Voix seule, sans image. Nous sommes dans une chambre, panoramique circulaire de 380 degrés, qui est coupée de shots brefs sur des fragments du décor. Accentuation de la fragmentation, séquence d'aller et retour, son indistinct, fragmenté puis raccroché. Transformation de la vitesse de défilement. Les voix vont plus vite, la vue aussi. La télévision, l'électrophone ne sont plus qu'à peine reconnaissables. Ils sont découpés sur d'autres frontières. Le naturel s'en va, faisant place à des battements sur un même fragment d'objet, puis à des flashs qui s'accompagnent d'intensités lumineuses de départ ou de fin. Aller et retour d'un panoramique vertical, du pied de la caméra au plafond, en parcours plus ou moins accéléré. Une tortue trottine brièvement sur le sol, la femme au téléphone la remplaçant, tandis que l'on revient à la vitesse perceptive quotidienne. Un dernier panoramique horizontal étale une profondeur de champ contre le torse nu d'un homme sans tête au premier plan. Trois superpositions. Au son, anecdote. Sens inversé de haut en bas, à l'image. Un silence, fond rouge. Quand je parle de mes films, j'ai parfois peur de donner l'impression qu'ils ne sont qu'une sorte de documentation d'une thèse. Il n'en est rien. Ils sont un vécu réel, même s'ils sont figuratifs. La structure d'un film est évidemment importante, et on la décrit parce qu'elle est plus descriptible que d'autres aspects. Mais sa forme, à laquelle s'ajoutent tous les autres éléments, équivaut à quelque chose qui ne peut être verbalisé. Et c'est pourquoi l'œuvre est, pourquoi elle existe. Il s'y déroule un grand nombre d'opérations complexes, dont certaines découlent de la mise en mouvement de l'idée. L'idée est une chose, le résultat une autre. Michael Snow, Film Culture, printemps 1971. Ça fonctionne sur la tension. On regarde l'image comme... Chantal Ackerman. Il y a une tension folle, une énergie folle. Et on se sent rechargé. On se sent pas... Quand on voit un film de Bergman, on se dit « Ah là là, voilà le discours du maître ». On se sent annulé complètement par ce film, par ces films. Il n'y a plus de place pour vous. Tandis que Michael Snow, c'est sûr que le film existe sans spectateur, mais il y a une telle place pour le spectateur qu'on se sent rechargé de soi-même. Puis aussi, je trouve qu'il y a le même genre de tension. L'analyser, je pourrais pas que dans les films d'Hitchcock, parce que finalement, les films d'Hitchcock, hors leur narration, il y a une vraie tension, il y a une vraie énergie. Et je crois que Michael Snow, c'est pareil, mais ça fonctionne sur les structures du cinéma pur. Le temps, le mouvement... La tension dans le temps. C'est vrai que c'est chaque fois un suspense. Par exemple, il y a ce film qui s'appelle Force and Back, qui est un mouvement de caméra qui va de gauche à droite et de droite à gauche, dans une pièce, je crois que c'est une salle de classe. Bon. Eh bien, on regarde et on se dit, est-ce que la prochaine fois, il va dépasser, par exemple, le mur ? Et on ne sait pas. Et en fait, pendant 42 minutes,
on est vraiment dans un suspense. Et il n'y a rien comme mouvement de caméra dans une pièce, un mouvement qui se répète pendant 42 minutes. Et il y a une tension folle. En principe aussi, dans un film, disons traditionnel de narration, qu'est-ce qu'on essaye ? On essaye de vous faire oublier 2 heures, 1 heure et demie. Le temps passe de manière à ce qu'il ne se voit pas. Et là, on sent et on entend et on voit le temps passer. Et c'est pas 2 heures qu'on perd, c'est 2 heures qu'on vit. C'est comme la musique, on a beau vous dire, elle est mélodique, elle est répétitive, etc. Tant qu'on l'a pas entendue, on ne peut avoir aucune idée de ce qu'elle est. Là, je peux dire ce que c'est, mais rien ne remplacera l'expérience, la vision. C'est pour ça que c'est du vrai cinéma. Je suis partie aux États-Unis en 71. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a amenée à la cinémathèque de Jonas Mekas, Film Archive, Anthology Film Archive. Et il y avait la région centrale. Ça dure plus que 3 heures, la région centrale. Et je suis restée accrochée à mon fauteuil. Ça m'a vraiment émue, éblouie. J'étais vraiment accrochée là comme si c'était un film de un polar, quoi. Et en fait, Michael Snow, c'est pour moi, c'est surtout l'Amérique de ces années-là. C'est-à-dire que je suis allée, bon, j'étais très jeune, j'avais fait un petit film et je ne connaissais que le cinéma narratif. Je pensais que Bergman, Fellini, étaient des sortes de maîtres. Puis tout d'un coup, j'ai vu quelque chose qui échappait complètement à tout ça, et où je me suis dit, c'est enfin du cinéma. Là, tout d'un coup, ça a fait éclater toutes mes structures mentales. Je me suis dit, mais on peut tout faire avec le cinéma. On ne doit pas absolument faire des rédactions. Je pense que quand on voit un film de Michael Snow, ben on se dit après, ben, on va oser. Snow dit que chacun de ses films est une expérience. Guy Fiman. Et d'une certaine manière, ces expériences ont quelque chose à voir avec des expériences au sens théorique, sinon scientifique du terme. Mais ici, avec ce site particulier, que c'est une expérience esthétique ou une expérience qu'il faudrait appeler artistique. Et je crois qu'elle est artistique, pas simplement pour le cinéaste, mais elle est artistique aussi pour le spectateur. Snow, naïvement, je crois qu'il faut prendre le terme comme ça, naïvement, commence à faire du cinéma dans les années 60, même s'il a fait quelques films avant, mais commence à faire vraiment du cinéma dans les années 60, et il peut énoncer cette chose qui semble stupéfiante, c'est que les mouvements de caméra n'ont jamais été travaillés. Ceci 80 années après que le cinéma ait été inventé. Or, le parallèle avec la science n'est pas complètement faux, puisqu'on s'aperçoit que des questions fondamentales, théoriques, dans certains champs, peuvent rester pendant des siècles complètement en friche. Par exemple, on a fait de la géométrie pendant une vingtaine de siècles avant de s'apercevoir qu'on s'était jamais posé la question de savoir si on peut construire mathématiquement une droite. C'est une question qu'on s'est posée au 19e siècle seulement. D'une certaine manière, le cinéma de Snow, c'est la même chose. Avec cet élément simple pour le cinéma, qui semble évident, qui sont les mouvements de caméra. C'est-à-dire que ce cinéma n'est pas simplement pris au sens traditionnel. Le cinéma est un dispositif qui permettrait d'inscrire le mouvement qui est à l'extérieur, des mouvements qui se passent indépendamment de lui, mais le cinéma est un dispositif qui permet de produire des mouvements. Et c'est très clair avec les plus
fort des films de Snow, où, à chaque fois, c'est un des mouvements que le cinéma produit qui s'intéresse. Et c'est, encore une fois, c'est des mouvements élémentaires. Le zoom pour Wavelength, la rotation dans Standard Time, le panoramique aller-retour simple dans Back and Forth, et enfin, ces mouvements inconnus de la région centrale qui n'avaient jamais été produits dans le cinéma. Quand j'ai fait Wavelength, Michael Snow, j'ai pensé que le vocabulaire du cinéma, en général, est employé pour suivre ou pour pousser l'histoire, parce que quand on fait une panoramique, par exemple, en général, c'est pour suivre quelqu'un dans l'image d'ici à la porte ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pensé que dans ces moyens, il y a des choses propres à soi-même, les panoramiques, les zooms et toutes ces choses. Et j'ai fait, après le zoom, j'ai fait Back and Forth, qui était basé sur des panoramiques de gauche à droite et répété comme ça. Et j'ai fait un autre petit film, Standard Time, avec des panoramiques circulaires. Et ces expériences ont croisé un peu avec une autre idée d'essayer de faire un film de paysage. Et j'ai pensé à l'idée de faire une machine qui peut bouger la caméra complètement dans tous les sens, dans une sphère, dans toutes les dimensions, sans photographier ce qui est nécessaire pour soutenir l'appareil. Et aussi, ça m'intéressait de faire simplement des panoramiques verticales qui sont très très intéressants, sans photographier le tripod ou quoi, des choses comme ça. Et j'ai cherché quelqu'un qui peut faire une machine comme ça. La région centrale, 1970-1971, 16 mm couleur, 180 minutes. Son film énorme, son film géant, le film qui dure 3 heures, qui s'appelle La Région Centrale. Dominique Noguez. En français. Peut-être en français parce qu'il a été tourné au Québec. Dans le nord du Québec, dans une région absolument désertique. Et là, grâce à l'aide de l'Office national du film du Canada, qui lui a permis de construire un levier, une caméra installée sur un levier très complexe et dirigée par ordinateur, il a pu tourner quelque chose d'assez étonnant. Il a pu filmer cet espace désertique sans être présent, sans que personne soit présent. On a alors ce paradoxe d'une caméra manipulée comme ça automatiquement et qui filme à perte de vue un paysage complètement déshumanisé, complètement rendu à lui-même, d'où peut-être le côté cosmique du film. Mais le film est structuré très précisément, comme presque tous les films de Snow. La caméra commence par balayer l'espace en parcourant
un cercle qui va de la Terre, vraiment très, très près de la Terre, à 2 cm du sol, à peu près, jusqu'au ciel. Et puis, l'objectif s'écarte peu à peu de la Terre. Le levier fait des mouvements de plus en plus complexes. La caméra nous donne à voir des portions de sol, d'espace de plus en plus importantes. Et alors qu'au début, on avait une sorte de myopie, qu'on ne voyait que, par exemple, des petits cailloux, des brins, même pas de brins d'herbe, enfin des petits éléments du sol, à la fin, on peut apercevoir tout l'espace très loin jusqu'à l'horizon. Et on peut aussi voir le ciel dans toute son ampleur. On aperçoit la Lune, si je ne m'abuse, à un moment donné. C'est-à-dire que là encore, il y a un changement. On est passé du jour à la nuit. C'est quelque chose d'assez étonnant que ce balayage systématique, avec à chaque passage de la caméra, tout de même, des variations, ce balayage systématique dans tous les sens, en accomplissant toutes les figures possibles, d'un espace. On a l'impression que cette caméra œil, ce robot, réalise le vieux rêve de Dziga-Vertov, ce rêve d'une caméra plus puissante, plus perspicace que l'œil humain. Image. Gros plan en perpétuel glissement du sol, de sa matière, que la caméra surplombe verticalement et sillonne. Cailloux, lichens, dépôts, nappes, débris, formations minérales. Moins décrit que pris dans la visée de la caméra, qui poursuit une trajectoire de redressement automatique, lisse, et nous fait accéder à un autre espace beaucoup plus profond, de lacs pâles. Qui défile, des pans de rochers. Les proportions changent. Nous passons de la terre grumeleuse au ciel. La ligne de passage longeant le bas de l'écran souligne sa bordure inférieure, comme les lacs trouaient ses marges latérales. J'ai découvert un technicien à Montréal qui s'appelle Pierre Abalou, qui a construit la machine. Nous avons fait le film. C'était au nord de Québec. C'était loin. C'était un paysage sauvage, comme on... Je ne sais pas si c'est vraiment sauvage, mais c'était sans homme. Il cherchait un paysage absolument sauvage, sans aucune présence humaine, mais relativement accessible. Hervé de Lilia. Il a mis environ 7-8 mois pour trouver un paysage, le paysage idéal pour lui. Bon, alors après des recherches en avion, en voiture, et il a trouvé l'endroit à 80 miles au nord de Sebtaïs, dans la région des lacs. Et il a planté sa caméra au sommet d'une montagne avec d'extraordinaires blocs de pierre roulée et avec de nombreuses inclinaisons et également une longue vue sur une chaîne de montagnes. Pour bien montrer l'étendue du paysage. Et bon, il faut aussi dire que Michael Snow est un peu mystique, et pour lui, le paysage
Et la seule chose encore inviolée, maintenant. D'ailleurs, deux, trois fois, il a dit dans les entretiens qu'il était terrifié à l'idée que la planète serait un jour entièrement colonisée, c'est-à-dire humanisée, et qu'il n'y aura plus aucun lieu sauvage. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il ne cherche pas du tout la beauté du paysage sauvage tel que pourraient l'imaginer les publicitaires ou qu'on voit dans les dépliants touristiques, mais un endroit unique, montagneux, rocheux, la nature par elle-même. Et d'ailleurs, pour la région centrale, il pensait donner un sous-titre qui aurait été « A Rock and Grass Festival ». Les mouvements sur l'écran ne sont pas humains, c'est comme un œil sans corps qui peut bouger libéralement. C'est limité par que ça peut bouger seulement dans les arcs, les cycles, des aspects d'un cercle. Mais ça devient très compliqué parce que on peut contrôler la vitesse de chaque mouvement. Et quand on ajoute ce mouvement avec un autre mouvement, il y a des choses que ça peut faire qui sont assez puissantes, je crois. Par un retournement, nous sommes renvoyés à l'envers. Après une suspension d'un instant, sur un ciel écran, vide, vers notre point de départ, la Terre vue comme au microscope. Descente giratoire, vertigineuse. La caméra fait la roue, se jouant des paradoxes d'une image plate, incluant des bouffées de profondeur de champ. Il n'y a plus de haut ni de bas, de direction privilégiée. Même si encore le spectateur est saisi de sensations d'étirement, à force de panoramique. Mouvement de zoom avant, arrière, avancée et recul de la caméra. Découpage habituel, ciel en haut, terre en bas, ignoré. Moitié écran gauche, ciel. Moitié écran droit, terre. Coulée, chaîne, granulation. Fin de séquence. Croix sur l'écran. Ciel. Ça tourne avec léger nuage. Intervalle marqué. Décalage puis reprise du panneau dans le même sens. Nouvel intervalle. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La région centrale a été construite en fonction du son et pas en fonction des images. Chaque mouvement de caméra a une fréquence différente d'onde sinusoïdale électronique. C'est-à-dire que Snow avait une cargaison de son, une batterie de son, pourrait-on dire, divisée en 5 sections, commençant très élevée, environ à 10 000 cycles par seconde, pour tomber à 70 cycles par seconde. Le son, lorsqu'il est divisé horizontalement, la caméra fonctionne horizontalement. Quand le son est divisé verticalement, la caméra fonctionne verticalement. Ce que veut dire horizontalement, c'est que le son a une durée bien déterminée et donc la caméra a des mouvements horizontaux. Ce que verticalement veut dire, c'est que lorsqu'il y a des changements de hauteur dans le son, la caméra fonctionne de bas en haut ou de haut en bas. De la basse fréquence à haute fréquence, ou de haute fréquence à basse fréquence. Le système sonore a été programmé sur la caméra
avant le tournage du film. Ce qui fait que les mouvements de caméra sont liés uniquement à la fréquence du son. Michael Snow, par exemple, n'a regardé qu'une seule fois dans la caméra pendant le tournage, mais juste pour voir ce que le résultat. Mais en tout cas, à aucun moment n'est intervenu pendant la durée du film, qui est en fait une durée de 6 heures. Et alors là, il a fait après un travail de montage pour le réduire à 3 heures. La caméra se met à tourner sur elle-même. Elle change de sens, tourne un temps et suit une ligne droite descendante. La vitesse s'accentue. La matière minérale devient tachetée. Panoramique circulaire. Le sol est en haut du cadre. Profusion de la terre, des strates, plis, cassures variées, sédiments que le ciel efface et réapparition de la terre comme partie d'une courbe dynamique. C'est un film qui dure 3 heures. Les gens se diront, mais ça doit être profondément ennuyeux. Absolument pas. La plupart des spectateurs que je connais et qui ont vu le film ont été pris à un tel point par ce film qu'ils ont immédiatement voulu le revoir. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pensée du spectateur, quand il voit ces images apparemment ingrates, des petits cailloux, des morceaux de sol désertique, des passages, des morceaux de ciel, on pourrait croire que la pensée du spectateur va très vite errer, que chacun va se mettre à penser à ses problèmes, à penser à toute autre chose qu'au film. Mais c'est oublier quelque chose d'essentiel dans le film, sont les mouvements puissants et réguliers de la caméra qui ont sur le corps du spectateur des effets absolument indubitable. Il y a une série d'effets synesthésiques, c'est-à-dire qui touchent la sensation intérieure, interne, que nous avons de notre propre corps, à voir ces mouvements réguliers de caméra. Donc le spectateur est pris, il est pris physiquement par le film, et il est pris dans cette sorte d'hymne cosmique. Panoramique verticale circulaire. On part à l'envers. Terre, horizon, ciel. Mouvement de balancier terre-ciel. Le soleil est tombé. Intervalle dans la trajectoire du balancier. Pôle décalé. C'est le soir. La caméra monte et descend en mouvement oblique régulier, de gauche à droite. Fait un point de couture avec le paysage. L'écran est très sombre. Combinaison de mouvements. La lune suit successivement des arcs de cercle ou circule avec fantaisie le long des quatre bordures de l'écran. Trajet qui semble autonome. Dans plusieurs philosophies et plusieurs religions, on trouve souvent l'idée, parfois le dogme, que la transcendance serait la fusion des contraires. Dans Back and Forth, il est possible que cette fusion soit atteinte par la vélocité. J'ai déjà dit, et je me citerai, en disant que New York Eye and Ear Control est la philosophie, Wavelength la métaphysique, et Back and Forth la physique. Par cette dernière métaphore, je voulais dire la transformation de la matière en énergie. E égale MC2. Continuant ce processus, la région centrale devient simultanément micro et macro, cosmique et planétaire, tout autant qu'atomique. La totalité est atteinte en termes de cycle plutôt que par l'action et la réaction. Elle est au-dessus de ces phénomènes. Ce film devrait aussi présenter le dialogue le plus clair
entre ce que l'on identifie comme ordinairement le ciel et l'effet physique et réel de l'image-lumière projetée en mouvement dans l'œil et dans l'imagination. La région n'est pas seulement un documentaire photographiant un endroit particulier à différents moments du jour, mais c'est aussi et surtout une source de sensation, une mise en ordre, une composition des mouvements de l'œil et de l'oreille interne. Le film commence ici, respectant la gravité de notre situation. Mais plus il se déroule, plus il voit comme une planète voit. Le haut baisse le haut, le bas hausse le bas, le haut hausse le haut. Il ne s'y trouve personne d'autre que vous, la machine et l'extraordinaire lieu sauvage, seul. Comme un grand nombre d'êtres humains, j'ai horreur de l'humanisation entière de la planète. Dans ce film, j'ai enregistré la visite de certains de nos esprits, de nos corps et de nos machines dans un lieu sauvage que nous n'avons cependant ni colonisé, ni réduit à l'esclavage. Nous l'avons à peine emprunté. Dans la région, le cadre est très important puisque l'image passe à travers celui-ci constamment. Le cadre comme paupière. Il peut sembler triste de constater qu'une forme doive pour exister avoir des frontières, des limites, un lieu, une mise en scène. Le contenu du rectangle peut être précisément cela. Dans la région, le cadre souligne l'admirable mais tragique continuité du cosmos puisqu'elle se déroule sans nous. Michael Snow, Film Culture, printemps 1971. Image bleue nuit. Grande masse sombre qui se profile. Taches roses floues. Retour au ciel plus clair. Les flancs des masses sont nets. Un long ciel. Arrêt sur image, ralenti, mouvement d'aller-retour, ciel pris momentanément pour unité de mesure, ciel plus intense, plus blanc. Descente dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers un sol flou, puis reprise du passage au net sur les flancs, et retour à ciel-écran, unité de lecture, éclaircissement. L'absence de point de repère qui permettrait de se situer. La caméra applique une couleur, l'étale. Terre, grain, pellicule. Écorce terrestre, feuille, couche. Plus qu'un cadrage, une traînée. Le ciel inversé prend la profondeur d'un océan. Cinéma philosophique, cinéma en tant que philosophie, cinéma en tant qu'esprit, en tant que pensée. On parle d'expériences sur les ondes alpha qui ont une fréquence comparable à celle des rythmes du cerveau. Des considérations de ce genre m'intéressent dans l'œuvre de Michael Snow. Cet aspect de fonctionnement, le lieu même, la localisation de ce fonctionnement. Je crois qu'il y a une connaissance qui ne peut être transmise qu'au cinéma, un certain cinéma, à travers sa structure, ses rythmes, son déroulement. Je m'intéresse à son moyen d'atteindre notre cerveau, à ce qu'il comporte d'informations. Un cinéma philosophique, un traité sur l'essence de la réalité. Voilà ce que sont pour moi les films de Snow. À mesure que le cinéma grandissait, on disait « Maintenant, le cinéma mûrit, on peut écrire des poèmes avec la caméra. » Plus tard, on a dit « Maintenant, on peut écrire des essais avec la caméra. » Ou bien « On peut écrire des haïkus avec la caméra. » Aujourd'hui, on peut dire on peut écrire des traités philosophiques avec la caméra. Une nouvelle clé pour la philosophie, un nouvel aperçu des questions ultimes, des réponses ultimes. Dans une décennie ou deux, on montrera et étudiera les films de Michael Snow dans les départements de philosophie. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour le prévoir. Jonas Mekas, Take One, février 1971. Fin de séquence. Croix sur l'écran. Mmh.
panoramique horizontale gauche-droite. Décrochement, zoom avant, vitesse, tremblée des matériaux, circularité. Zoom arrière plus lent, rythme, respiration interne. Panoramique gauche-droite horizontale, accélération, apparition de striures, texture, quadrillé, contre-masse d'ombre et de lumière, et passage au lointain. Ralentissement. Chantal Ackerman. Moi, j'étais pas absolument bouleversée par La Région Centrale, plus que par n'importe quel film d'amour. Enfin, pour moi, ça fait pourtant bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est des mouvements de caméra sur une terre vierge au Canada. Alors moi, je suis pas tellement sensible à la nature. Et c'est pas vraiment la nature que je regarde quand je vois le film. La nature, je sais même plus. Mais c'est les mouvements sur des couleurs avec un rythme. Et pour moi, ça fait craquer toutes mes références, enfin. C'est une émotion qui est sans référence littéraire. On peut pas dire que c'est émouvant parce que c'est triste ou que c'est gai. C'est émouvant à cause d'une énergie qui est déplacée. Il n'y a aucune notion littéraire. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants. Ça fonctionne dans le cinéma. C'est le cinéma. La grosse pierre ne repasse pas au même endroit dans le cadre. Elle tourne sur différentes diagonales, forme un cercle qui se dérègle. Enchaînement sur ciel en spirale. Une expérience esthétique, sensuelle, émotionnelle. Guy Fiman. Qui peut faire que l'on ait à jouer soi-même avec ce sentiment très particulier qui vient de nouveaux frayages dans son appareil perceptif. Nouveaux frayages qui sont la contrepartie exacte du travail du cinéaste au sens où il fait de l'expérience innovatrice. Donc les films de Snow, comme d'autres films, on peut s'y référer comme à des grandes expériences qui ne sont pas simplement scientifiques, qui ont le même statut théorique, mais qui s'éprouvent et qui s'analysent autrement, et qui sont des expériences esthétiques. Dans La Région Centrale, et ça a à voir avec ce statut particulier de ces films, lorsqu'on a un mouvement qu'on n'a jamais vu, au cinéma, un panoramique vertical. Notre relation au cadre, qui est un mécanisme perceptif fonctionnant normalement, est atteinte directement. C'est lui qui est stimulé et qui fait que cette sensation, elle est présente physiquement. Par exemple, la relation normale au cadre veut dire que ce cadre fonctionne effectivement comme une fenêtre et que donc notre relation au cadre étant atteinte par ces mouvements, on se trouve être soi-même, corporellement, mis en mouvement, bien qu'en état d'immobilité. Michael Snow cite souvent à propos de son travail Cézanne. Claudine Ezikman. Et à propos de Cézanne, il dit que ce qui est intéressant chez Cézanne, c'est qu'il peint ce qu'il voit. Alors, il peint ce qu'il voit, ça peut vouloir dire deux choses qui sont liées. C'est premièrement, voilà ce qu'il voit. Or,
ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'à son époque les gens voyaient, puisque c'était une véritable rupture avec la Renaissance. Et puis, c'est aussi, voilà comment il procède pour voir. Et voilà dans quelles conditions perceptives il se met pour voir ces choses. Il met toujours en relation, on pourrait dire, une zone mécanique, qui sont en l'occurrence les mouvements de caméra, avec des zones spatiales très précises. Non seulement il montre un paysage dans la région centrale, mais il donne le volume de ce paysage. En quelque sorte, il montre, il construit, lui, presque la totalité des possibilités de ce paysage, donc de cet espace. Mais ce qu'il donne en plus, ce qu'il fait éprouver en plus, c'est que pour voir cet espace, il faut un autre espace qui le contient. En quelque sorte, il donne à voir l'espace de cet espace qu'est la région centrale. Alors, le travail de Snow sur une qualité ou une catégorie de mouvement de caméra ou sur la complexité de tous les mouvements de caméra comme dans la région centrale secrète un espace invisible. Invisible, mais totalement éprouvable. Et cet espace se donne comme celui qui enveloppe, qui englobe l'espace filmé, le paysage filmé ou la pièce filmée. Pour lui, le centre de la région centrale est le point zéro. Et il est vrai que la caméra bouge autour d'un point invisible, de 360 degrés, pas seulement d'ailleurs de façon horizontale, mais aussi dans toutes les directions, mais toujours à partir d'un point fixe et invisible dans l'espace. Alors là, on peut dire aussi que la caméra ne crée pas seulement des orbites et des spirales, mais aussi des cercles à l'intérieur des cercles, des cycles à l'intérieur des cycles, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun centre de gravité. Sinon, ce point fixe imaginaire. Imaginaire pour les spectateurs. La Terre se soulève. Plus d'horizon. Elle est comme un pan de tissu. Le pan de terre est aussi léger que le pan de ciel, avec lequel il entre en battement. Frange. Il n'y a plus de nature. L'écran happe des bribes de matériaux divers qui flottent au passage. Balayage rapide des couleurs. Des lignes. Bleu lisse plein. Rayure. Bleu. Rayure. Bleu. Rayure. Passage à une autre vitesse. Strie en diagonale. Droite ou latérale. Bleu. Rayure. Et sortie sur les crêtes des chaînes. Passage au ciel. Ralentissement au son. Retour aux rayures grises. Pied de poule, chiné, brun. Sortie rocher, ciel. Retour en sens contraire. Ce qu'on voit très très bien dans ce film, c'est que on n'échappe pas à la narration. On n'échappe pas à la représentation. Et c'est un mythe, et c'est utopique, c'est très très beau. Finalement, on peut aller... Je pense que même si on met une toile noire, même si on met des battements entre le noir et le blanc, on n'échappe pas à la narration. C'est pour ça que... Et dans ce film, c'est très très clair. C'est-à-dire que on reconstruit une narration, forcément, même si elle n'y est pas dans le film. Je crois qu'on n'échappe pas à notre système de pensée occidentale, qui est complètement lié à un sujet et à un objet, en fin de compte. Comme quand on fait l'analyse grammaticale avec le complément, il y a le COD. Bon. On peut très bien faire un cinéma de narration où, au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit ? Une ligne, ou une barre, ou un zigzag. Mais il y a une narration et une représentation. Mais il y a aussi une barre et un zigzag. Et il y a une tension aussi.
La caméra de la région centrale a été montrée à la National Gallery d'Ottawa en 1971 et servait de sculpture, mais comme une sculpture vivante. C'est-à-dire que la caméra continuait de fonctionner et était programmée selon les termes de la région centrale et au lieu de montrer bien sûr le paysage, montrer l'endroit d'exposition et les gens qui visitaient l'exposition. Michael Snow. Sculpteur. Il conçoit la caméra comme une sculpture, mais d'autres choses comme une porte. Je sais pas, par exemple, une porte, c'est évident que ça peut être une sculpture en mouvement, je veux dire. C'est une sculpture qui imprime, ou qui peut imprimer du mouvement. Pour lui, sculpture doit imprimer du mouvement. Well, let's see, there are the two cans of Noxon metal polish, one over the other. It's a green rectangular can. That's a metal polish for aluminum. Bon, alors on voit deux boîtes de produits pour nettoyer le métal. Quoi d'autre? Ça, c'est une boîte verte rectangulaire, un produit qui décape l'aluminium. Sur l'étagère du haut, dans le coin à gauche, derrière un pot de peinture blanche, acrylique, je crois. Dans ce coin-là, juste à côté du décapant, il y a une photo épinglée. C'est un instantané Polaroid, une photo de vague que j'ai prise en 67 à Central Island, près de Toronto. Le casing shelved, un rayonnage, 66, durant diapositif couleur, 35 mm, bande sonore magnétique, 40 minutes. J'ai travaillé sur une sculpture pour une exposition à Montréal. Je terminais aussi à ce moment-là mon film Wavelength, dans lequel j'avais utilisé des photos du même type. Underneath that is a shot of a crumpled bed. It's also a Polaroid which I used in. Juste en dessous, il y a une photo d'un lit défait, des draps fripés. C'est aussi un instantané que j'ai utilisé dans mon livre Michael Snow, a survey. Exploration des rapports entre une image projetée et une voix enregistrée. Devant l'autre boîte de Noxon liquide, il y a une tasse de café jaune. There's one of those coffee cups, coffee containers. L'image représente un rayonnage sur lequel se trouvent divers objets. Et je l'ai pris à Dave's Corner House, Half-Broadway, près du canal. Une voix enregistrée, celle de Mike Snow, les décrit en les groupant selon leur forme, leur couleur ou leur fonction. Café, manger un morceau, prendre des notes. There are some other photographs. Il y a aussi d'autres photos, mais elles ne sont pas très claires. Les deux qui sont encadrés juste à côté des boîtes bleues qui ressemblent aux boîtes de Noxon contiennent du White Spirit. It's a one quart size. Next to that is another of the coffee yellow. What do they call lily? I guess it is. Juste à côté, il y a une autre de ces tasses à café en carton. Coffee containers. In fact, there's several. There are. There's one on the top next to the. Il y en a plusieurs en fait. Il y en a une en haut près du White Spirit. The red can, which is next to it, is a benzene can. La boîte rouge contient de l'essence. Je m'en sers pour diluer de la peinture.
Anyway, there's the other coffee container cup in front of the other Noxon thing, and then there's another one right in the middle. L'autre tasse à café est à côté de la boîte de Noxon, il y en a une autre posée sur une boîte de peinture marron. Une autre un peu plus haut. Another one of those coffee things, and then on the second shelf from the bottom there's une dernière là sur la deuxième étagère. C'est à peu près tout. That's all the coffee containers. Yeah, I was going to say the other photographs. The other photographs which are there are two black and white Instamatics. Les autres photos sont des instantanées Polaroid noir et blanc de l'ensemble de l'étagère. Il y a des étagères. I also did some Polaroids of the shelf in one of its states, which are a separate. J'ai aussi pris des photos avec le Polaroid des étagères. Elles sont posées là un peu partout. Going along the top. Along the top shelf. Well, in the same en repartant sur l'étagère du haut, dans la première partie rectangulaire, près de la boîte de Noxon, il y a d'autres photos. Which is affixed to the vertical bar that divides the whole thing in half. Elles sont fixées sur le montant en bois qui soutient l'ensemble des étagères. Black and white Polaroid, so it's browning and disappearing of my studio. I suppose it was. Là, c'est une vieille photo Polaroid un peu jaunie qui représente mon studio. C'était en 69, on voit un mobile que je faisais à l'époque, en étain et aluminium. Il y a d'autres tasses à café d'un autre style, à droite, 1, 2, 3, 4, 5, elles sont empilées les unes dans les autres. J'ai dû boire du coca. Et posé dans la pile des vieilles some artificial flowers which I had used to look at. Passer à la peinture argentée. One time I painted them silver. They are roses, or they represent roses. En fait, ce sont des roses. Yeah, I think that's probably all the coffee containers that there are. Michael Snow. Musicien. Musique pour piano, sifflement, micro et magnétophone. Disque Chatham Square. Thank you.
c'est la famille de mes films, cette musique. Et j'ai commencé... une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec l'image et le son. Et pour faire les films, j'ai rencontré des machines à enregistrer. Et ces deux disques sont en structure, sont comme des films back and forth un peu, et les autres films. Cet album est complètement mis dans une couverture, un couvert d'un texte que j'ai écrit exprès pour ça. C'est écrit pour accompagner la musique ou c'est une partie nécessaire pour la musique. C'est pas seulement une couverture utile, c'est un aspect de l'art et de la musique. Le problème est de savoir comment, quand et si vous devriez lire ce texte et écouter la musique en même temps. Vous pouvez ignorer mes instructions, mais vous vous apercevrez bientôt que certaines parties de ces textes peuvent être lues contre ou avec certaines parties de la musique. Et j'ai l'intention de le souligner quand cela arrivera. Pour le moment, veuillez ne pas mettre un de mes disques. Je ne veux pas donner l'impression que je voulais que cette musique soit une simple musique de fond pour la lecture de ce texte ou pour n'importe quelle autre activité. Évidemment, je n'ai aucun contrôle sur ça. Si vous voulez écouter un des disques maintenant, vous pouvez le faire. Qui puis-je ? Peut-être qu'un des disques est en train d'être joué en ce moment. Lequel ? Laissez-moi deviner. Left Right, n'est-ce pas ? Peut-être que pour certaines personnes, il est préférable d'écouter, au début, à moitié la musique, en lisant à moitié ce texte, et de faire plus tard plus attention à chacun d'eux séparément. J'espère que la musique pourra être écoutée souvent, avec ou sans le texte. La musique est plus importante que lui. C'est elle qui l'a provoqué. Pourtant, j'aimerais vraiment que ce texte soit aussi bon que la musique. Falling Starts, départ en chute pour piano et magnétophone. Toutes ces choses emploient l'enregistrement même dans leur production parce qu'ils emploient le tape recorder, le micro, les possibilités des magnétophones. Falling Starts, c'est un morceau pour piano que j'ai enregistré normalement et après ça, j'ai doublé les vitesses et la pièce commence avec la vitesse la plus forte et ça continue de plus en plus lent et ça va de très très haut à très très bas. J'ai construit la petite composition avec l'intention de faire ça avec cette phrase. Et c'est une phrase qui commence aux notes les plus basses du piano. Et ça continue vers les plus hauts.
Ça, c'est trop simple aussi. Mais c'est un microcosme comme la composition entière. Dixième minute. Vingtième minute. W in the D pour sifflement et micro. W in the D, en anglais, c'est un cours pour la phrase whistling in the dark. Moi, sifflant. Et c'est construit par des phrases. Chaque phrase est différente. Et je bouge le micro plus ou moins proche à ma bouche quand je siffle et quand je respire entre chaque phrase. Et c'est construit comme ça. C'est des phrases aussi longues que je peux siffler, séparées par les respirations. Michael Snow, musicien. Artist Jazz Band, Michael Snow, trompette. Mmh.
J'ai commencé à jouer le piano quand j'étais dans high school. Et après ça, j'étais au College of Art, au collège d'art, où j'ai commencé à peindre, mais j'ai continué de jouer aussi. La musique professionnelle, c'était d'abord le piano et après ça la trompette. Le jazz band a commencé en 62, quelque chose comme ça. Et c'est probablement le plus ancien des groupes free jazz. Et quand ils ont commencé de jouer, ils étaient des peintres. Et moi, j'étais un peintre, mais aussi un musicien professionnel. Et je n'ai pas joué avec eux au commencement. Quand je suis revenu à Toronto en 71, j'ai commencé de jouer avec eux beaucoup. Et après ça, j'ai rencontré les gars qui étaient le commencement de CCMC. Et j'ai commencé de jouer avec eux aussi. Et nous jouons deux fois par semaine. Et nous avons des concerts de beaucoup de types de musique nouvelle de Toronto, de Canada. CCMC, Canadian Creative Music Collective, Michael Snow, piano.
J'ai fait Rameau's Nephew by Wilma Schoen. Et le titre doit être toujours en anglais, je crois. C'est un film de long métrage, c'est 4h30. Ça m'inquiétait un peu parce que un des sous-titres de ce film est que c'est pour four English-speaking audiences, parce qu'il y a des variations qui commencent avec une connaissance de l'anglais, et je ne sais pas comment ça va être perçu par quelqu'un qui ne parle pas d'anglais. Mais peut-être ça peut être suffisant, je ne sais pas. Le dernier film de Michael Snow rompt un peu avec les premiers, en ce sens qu'il réintroduit le son. C'est un paradoxe de dire ça, parce que il y a des sons, il y a des bandes son dans tous les films dans presque tous les films de Snow, mais on ne parle pas. Disons, ce sont des films sonores, mais non des films parlants. Eh bien, dans le dernier film, qui est assez long lui aussi, qui dure 4h30, Michael Snow réintroduit la parole et joue systématiquement, tantôt avec gravité, tantôt avec désinvolture et humour, des différents types d'agencements possibles, des images et des sons. On a l'impression que cette redécouverte, il fait une redécouverte presque enfantine du son. Il en joue de toutes les façons possibles. Avec toute une série de cinéastes et de critiques, de ses amis, il s'amuse donc à trouver toutes sortes d'effets de synchronisation ou de désynchronisation du son et de l'image. Le déroulement temporel du film de Michael Snow, Rameau's Nephew by Diderot, Thanks to Dennis Young by Wilma Schoen, est aussi peu dramatique que le déroulement mécanique de ces six bobines dans le projecteur d'une salle de cinéma. Chaque image et chaque son des 17 minutes des six parties de son introduction, comme d'ailleurs tout le film, se présente comme ayant été délibérément choisi et analysé avant d'être inséré dans la chaîne des événements visuels et sonores. Même si New York Eye and Ear Control est l'ancêtre le plus direct de Rameau's Nephew,
dans ses rapports entre le son et l'image, c'est plutôt à Dripping Water, fait par Snow en 1969, avec la collaboration de sa femme, Joyce Willand, que nous ferons appel pour tenter d'en décrire le déroulement. Dripping Water présentait en un seul plan l'image en noir et blanc d'un bol rempli d'eau dans lequel tombaient régulièrement des gouttes d'eau. La trame sonore, non synchronisée à l'image, représentait le son de chaque goutte frappant la surface de l'eau du bol. Le son et l'image se conjuguaient seulement dans l'esprit du spectateur. Seul visible par l'ombre de sa chute, chaque goutte ne devenait réellement perceptible que dans la présence des cercles excentriques se dessinant par intermittence sur la surface de l'eau du bol et s'y accumulant pour le faire déborder. Les images et les sons de Ramos Nephew existent aussi dans une absence totale de progression dramatique. Il n'y a plus de zoom de la pensée, wavelengths, plus de va-et-vient dialectique, back and forth, plus de spirale de l'imagination, la région centrale. Seul existe l'inexorable déroulement des images et des sons qui, peu à peu, un instant après l'autre, font vibrer de façon de plus en plus intense l'esprit du spectateur. Pierre Théberge, Ottawa. J'ai fini un film que j'ai commencé avant Ramos Nephew, qui s'appelle Breakfast. Et c'est, je me souviens pas, je crois que c'est 15 minutes. Et c'est construit. C'est petit, mais c'est construit sur ce qu'on appelle en anglais « dolly ». C'est quand l'appareil même bouge sur un rail. Tipple Dolly est un gros plan qui montre une armoire avec différents éléments. Dans cette armoire, des livres, des disques, un vase, des fleurs et une description de Snow lui-même des différents éléments, mais qui est en général une description toujours à côté. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des livres, ils parlent d'autre chose. Et on isole parfois certains éléments dans cette armoire. Mais toujours en gros plan fixe, il n'y a pas de zoom. Michael Snow, peintre, sculpteur, photographe, musicien, cinéaste. À la fois être enfermant et excitant. Chantal Akerman. Une sorte de contradiction avec lui. C'est-à-dire que on voit une telle maturité dans l'audace. Moi, quand j'ai vu la région centrale, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourra faire après? Je me suis dit, oulala, c'est la fin. C'est le plus loin que quelqu'un peut aller. Bon, parfois, quand tu le vois, tu dis, on peut pas. On peut pas aller plus loin. Et puis, je suis sûre qu'on peut toujours. Tu vois, mais il fait cet effet, c'est-à-dire que de maturité dans l'audace. C'est-à-dire une date limite. Et puis je suis sûre que c'est pas une limite. Que c'est de nouveau un début, quoi. Je pense à mes œuvres comme une espèce de philosophie. Mais c'est une philosophie qui n'emploie pas les paroles. Mais ça, des fois, ça emploie les paroles, mais ça emploie les sons et les couleurs aussi que les paroles.
et le mouvement et le temps pour faire de la philosophie. Je sais qu'il y a des directions très différentes, mais pour moi, ils sont des aspects de la vie qui m'intéressent. Et comme tout le monde, je veux être ici et de faire tout ce que je peux, de goûter tout ce que je peux et de découvrir tout ce que je peux. De moi et de le monde. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Do you know Michael Snow? Par Daniel Coe. Avec Chantal Ackerman, Hervé Delilia, Claudine Ezikman, Guy Fiman, Dominique Noguez et Michael Snow. Voix Béatrice Agar, Eric Elguerabli. Texte descriptif des films, Christine Kesterberg. Groupe de réalisation, Yann Parentouen, Jean-Pierre Hubert. Viviane Vandenbroek, Marie-Ange Garandeau. Peinture, photographie, sculpture, The Walking Woman, Atlantic, Tempête de neige. Autorisation, From, de la région centrale. Diapositive, enregistrement magnétique, A Casing Shelved. Musique. Musics for Piano, Whistling and Tape Recorder. CCMC. Artist Jazz Band, Toronto. Film. New York Eye and Ear Control. Wavelength. Back and Forth. 1 second in Montreal. Standard Time. La Région Centrale. Ramos Nephew. Tabletop Dolly. Une rétrospective des peintures, sculptures, photographies, musique et films de Michael Snow s'ouvrira en décembre à Paris, au Centre Georges Pompidou. Do you know Snow? Dimanche prochain, 20h40, le tombeau d'Anatole.